Bonjour à tous, bienvenue à la seconde masterclass organisée par MJM. Je me présente, je suis Florence, je suis styliste photo. J'ai aussi une autre casquette, je suis journaliste styliste photo. Donc, comment ça va se dérouler? Je vais vous expliquer mon parcours. Et en fin de séance, je vous montrerai un exercice en live de styliste photo pour que vous ayez une idée un peu plus concrète du métier. Donc, je vais maintenant aborder, je vais vous présenter mon parcours assez brièvement. Donc, j'ai fait des études en art et communication. Et suite à ces études, j'ai fait une rencontre. J'ai rencontré une journaliste styliste qui travaillait pour le magazine Maison Française, dont j'ai été l'assistante. Et j'ai découvert donc le métier de styliste photo pour la presse. Donc ce métier, je l'ai d'abord découvert à travers la presse, qui est quand même une très bonne école. Donc en travaillant pour ce magazine Maison Française, j'ai parallèlement travaillé pour d'autres magazines, pour pas mal de groupes de presse assez connus. Donc, groupe Lagardère, groupe Express Roularta, Mondadori, Prisma Presse, le groupe Marie-Claire. Et quand vous travaillez pour la presse, quand vous êtes styliste, vous êtes amené aussi à travailler pour la publicité. Donc, j'ai travaillé pour des marques assez connues. J'ai travaillé pour l'hôtel Ritz. J'ai travaillé pour le Nespresso, pour La Durée, pour le groupe Décan, qui est une marque de linge haut de gamme. Et j'ai eu la chance de travailler pour Magnum Photo. Donc, je vais revenir sur la définition du métier de styliste. Donc le métier de styliste photo, c'est de raconter une histoire visuelle dans chaque souci du détail et surtout que l'histoire que vous racontez réponde vraiment à un brief précis, donc, ou un brief de la part d'une agence de publicité ou d'un magazine de mode ou de décoration. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez des exemples de shooting qui ont été réalisés dans des lieux, dans de vrais lieux. Donc, je vais vous expliquer les différentes étapes du métier. Donc, en fait, tout part du brief. Donc, un brief que vous proposez à l'agence ou au magazine. Et à partir de ce brief, vous devez organiser un. Alors, si vous travaillez en décor naturel, vous devez organiser un repérage. Donc, il y a toute une partie repérage. Donc, ça, le repérage, c'est ma propre partie, donc en fonction du sujet. Par exemple, là, vous avez. Là, on avait shooté. Donc, je vais partir sur le château, sur le shooting en extérieur. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez le château de Provins. Donc c'était un sujet sur le tartan, donc sur le motif écossais. Donc il y avait un côté très british. Donc j'ai choisi ce château qui était à Provins et qui servait de décor pour mettre en scène donc mon sujet. Donc ça, c'était un sujet rédactionnel donc pour un magazine. Donc on est parti faire nos photos devant le château de Provins. Et il a fallu que je fasse le shopping qui est la sélection de tous les objets et de tous les accessoires que je mets en scène et que je choisis moi. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez aussi une scène de pique-nique donc, qui a été réalisée dans un parc du château de Courance. Donc là aussi, j'ai dû faire un repérage et organiser toute la sélection des produits que vous voyez, du shopping, et évidemment l'installation de tous les objets, de tous les accessoires. Là, à droite, vous pouvez voir une bergère avec un instant gourmand. Donc ça a été réalisé dans un vrai lieu, qui était en fait un lieu qu'on a pu louer pour organiser les séances photo. Donc ça, c'était un sujet réveil auprès d'un prince. Voilà. Donc évidemment, le métier de styliste photo
s'organise avec un photographe ou une photographe. C'est vraiment un travail d'équipe. Parfois, vous pouvez aussi avoir d'autres intervenants extérieurs, si c'est des shootings notamment pour la publicité. Là, vous pouvez avoir une maquilleuse, une coiffeuse, des régisseurs, des rippers qui vont vous aider à porter les meubles, etc. Donc voilà, donc là vous avez un instant, et ça c'est vraiment le pique-nique vert. Donc la couleur verte a été, c'est moi qui fais la sélection de tous les produits, mais la couleur verte a été imposée par la rédaction, donc je me suis pliée au brief. Là, vous avez un autre décor qui a été réalisé en intérieur. Donc le décor évidemment était vide, donc c'est moi qui ai apporté le lit, le fauteuil, la vaisselle, tout ce que vous pouvez voir. Et avec le photographe, on se met d'accord sur le cadrage et on organise ensemble le cadrage. Donc là, vous avez un autre shooting qui a été fait en intérieur, dans un appartement haussmannien. Donc là, c'était un reportage avec un sujet avec de la verrerie, donc typiquement haussmannien. Donc là, on est parti sur un cadrage horizontal avec des zooms sur la vaisselle, donc là en l'occurrence de la verrerie. Donc ça c'est une autre partie, un autre aspect du métier de styliste photo, donc c'est tout ce qui est la partie publicité et catalogue. Donc là aussi vous devez vraiment bien respecter le brief de la marque, donc qui vous fait une liste de tout ce que vous devez photographier en produit. Donc là vous mettez en scène. Là, en l'occurrence, c'est encore une maison qui a été louée pour les besoins du catalogue. Donc là, vous mettez en scène tout le linge de lit, les serviettes, les coussins, voilà, tout. Là, c'était pour la marque Descamps, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, vous avez encore d'autres détails. Donc là, il y a aussi Descamps, Jala, Jardin Secret. Donc là, c'est vraiment, on arrive dans un lieu qu'on envahit. Donc, en mettant en scène des lits, on vient même avec nos lits, tous les produits, Jala, Descamps, etc., Jardin Secret. Donc ça, c'est un long travail de préparation. Donc ça, c'est aussi un autre aspect de ce métier, c'est tout ce qui est photo de studio, tout ce qui est réalisé en intérieur. Donc ça, c'est des photos que vous pouvez réaliser en studio avec des fonds que vous choisissez. Donc là, vous avez une photo vous avez deux photos gourmandes. Une photo un peu plus raffinée avec des bijoux. Donc là aussi, j'ai fait la sélection des produits que je mets en scène sur des fonds. Et je compose, là c'est de la nature morte. Nature morte parce que vous êtes dans quelque chose de plus close-up. Là on n'est pas dans une ambiance, on est vraiment dans le produit pur. Ça également, ce sont des photos qui ont été faites en intérieur. Donc là vous avez la durée et Bertillon. Donc au centre Bertillon, les glaces. Et à droite et à gauche, la durée. Donc là aussi, ce sont des instants gourmands avec une lumière assez travaillée. Donc voilà, excusez-moi, on a eu un petit problème technique, donc je suis de retour. Donc voilà, donc là on abordait les natures mortes intérieures en studio. Donc là, tous les objets que vous voyez à l'écran, ce sont des objets que j'ai choisis moi. Donc, et ce choix d'objets, ça s'appelle du shopping. Donc le shopping est vraiment une partie très importante au travail de styliste. Donc le shopping, en fait, c'est tout votre contenu. C'est tout le contenu que vous allez choisir. Donc pour choisir tous ces objets, vous avez différentes possibilités. C'est de passer directement par les boutiques. Donc vous présentez directement dans les boutiques et vous faites votre sélection d'objets sur place. Évidemment, en les prévenant à l'avance. Ou vous pouvez aussi contacter les attachés de presse, dont leur travail est de vous fournir tous ces objets pour que vous puissiez les mettre en scène et les photographier. Donc voilà, la partie shopping, c'est tout le contenu et tout le choix des objets que vous allez mettre en scène et vous composer. C'est un travail de composition. Donc c'est très proche de la nature morte du peintre.
Donc là aussi, tous les objets qui sont à l'image sont des objets que j'ai choisis, que j'ai mis en scène, aussi bien le gant. Donc ça, c'est les attachés de presse qui m'ont prêté tous ces accessoires. Et également à droite, là, vous avez l'intervention d'une costumière qui nous a fourni la veste, le chapeau, la collerette. Voilà, donc là, pour le coup, il y avait un autre intervenant, donc une costumière, et même une maquilleuse pour maquiller le mannequin. Et évidemment, il faut toujours penser, quand on fait un travail de styliste, toujours penser au fond. Donc les fonds sont très importants. Là au milieu, vous avez un fond, là où se trouvent les fleurs et les compositions de glace, vous avez un fond de papier peint que j'avais choisi. Ça, c'est donc des photos qui ont été faites en studio. Donc là aussi, vous avez, là c'était à gauche, un sujet c'est un sujet sur le goûter d'enfant. Donc c'est un sujet qu'on a fait en studio. Donc on a fait un faux mur qu'on a peint en rose. On a installé un plan de travail. Et je voulais quelque chose d'assez graphique. Donc j'ai disposé trois tabourets, trois petits tapis. Pour quelque chose d'assez graphique, et il faut savoir qu'en stylisme photo, le chiffre impair est toujours payant. On travaille toujours en chiffre impair quand on fait une série comme ça. C'est toujours 3, souvent 3 ou 5. Donc là, sur le plan de travail, voilà, c'était une thématique chinoise, enfin asiatique, donc avec des petits poissons, etc. À droite, vous avez une nature morte vue du dessus. Donc très graphique, donc ça c'était des pâtisseries de chez La Durée. Donc là aussi j'ai choisi un fond bleuté pour faire ressortir le rouge, pour que les pâtisseries ressortent. Donc ça c'est vraiment une nature morte vue du dessus, avec une lumière très fraîche, très appétissante. Ça c'est vraiment pour le coup la partie du photographe, mais on se met aussi d'accord sur la façon dont on va éclairer la photo. Et à droite, vous avez une nature morte d'un petit ours mis en scène que j'ai choisi dans une boutique de jouets. Donc là, l'idée, c'était de mettre en scène un petit meuble qui avait été fait par un créateur sur fond rose avec un ballon. Donc là, on a une mise en scène beaucoup plus simple, beaucoup plus graphique, qui est mise en valeur par la lumière, par le cercle lumineux au sol. Voilà. Là, on revient sur des photos intérieures, donc des photos de détail. Donc là aussi, toute une composition à faire. Au centre, vous avez une nature morte gourmande. Donc là, on a travaillé avec le photographe sur quel présentoir, quelle pâtisserie, quel fond, l'argenterie au fond. Ça, c'est une photo qui avait été faite à l'hôtel Plaza Athénée. Et à droite, c'est une photo qui avait été faite pour le catalogue des camps. Donc là aussi, avec un fond blanc pour donner une impression de clarté, avec le gris pâle. Donc vraiment, là aussi, on travaille beaucoup sur les couleurs de fond et de produit. Donc ça, c'est une photo, ça c'est une chambre d'enfant. Donc là aussi, la pièce était vide, donc il a fallu la repeindre. La tapisser, donc je l'ai repeinte, j'ai posé du papier peint et la meubler, et même peindre le petit lit que vous pouvez voir à l'image. Donc tout le reste est du shopping, donc des choses qui nous ont été prêtées par les marques et les attachés de presse. Donc montrer, je vais faire une nature morte. Alors maintenant, je vais passer aux pratiques. Je vais vous montrer comment composer une nature morte. Donc voilà, je vais passer au concret et au vif du sujet.
Voilà. Alors, j'ai choisi ce fond bleu pour bien faire ressortir les produits. Donc, j'ai choisi un format carré qui est vraiment très propice à la nature morte, surtout quand il s'agit d'une nature morte de bijoux. Donc, je vais commencer par placer... Alors, il faut toujours commencer par placer un élément un peu fort. Voilà, donc on place toujours l'élément... Donc ça, c'est mon cadre. Hein. On place toujours l'élément plus fort en premier. Il faut toujours un élément fort. Et pour cette composition, j'ai voulu varier les matières. Donc là, je commence à composer. Donc comme on est dans une composition de bijoux un peu gourmand, un petit bracelet avec des bouches là, que je centre. Donc c'est pour ça que j'ai choisi des bijoux assez différents les uns des autres, avec aussi des volumes différents et des matières différentes. L'intérêt, c'est de varier les matières, qu'on n'ait pas que des choses fines ou que des choses épaisses. Donc là, je place deux oreilles. Donc là, je tire une ligne avec le collier pour faire une autre ligne de bijoux pour encadrer la pièce qui est plus forte. Voilà. Alors ça, il faut que ce soit bien droit. Ensuite, j'ai pris une autre matière, un bijou un peu plus épais pour varier les volumes et les matières. Donc je reste dans une harmonie quand même de rouge et de doré. Voilà, je ne suis pas partie dans toutes les couleurs et c'est vrai que le rouge et le doré ressortent très bien sur le bleu. Donc je vais tracer une ligne, ça c'est un autre bijou. Faire quelque chose d'un peu graphique. Donc là je trace une ligne. Voilà, je vais faire quelque chose d'assez graphique. Donc hein, le cadre est toujours là, c'est un cadre carré, parce que là on est dans la nature morte. Donc pour apporter un petit côté gourmand et un peu ludique, j'ai choisi des groseilles, qui allaient bien avec le côté rouge. Donc on peut évidemment enlever quelques pépins, voilà, histoire d'avoir trois petites grappes. Il ne faut pas hésiter même à choisir les plus jolies grappes. Donc voilà, donc je place mes petites grappes de groseille en faisant bien attention de choisir les plus jolies. Hein, surtout ne laisser aucun fruit abîmé parce que tout se voit en photo. Voilà, donc je tire bien la ligne avec la petite étoile. Vous voyez, en fait j'ai composé quelque chose d'assez graphique mais quand même assez fourni. En variant les matières et les volumes. Et je vais rajouter quelque chose de gourmand. Voilà, on va rajouter un petit fruit ici.
Voilà, donc ça, c'est une petite pâtisserie qui imite une cerise. Donc je trouvais que ça allait très bien et que c'était vraiment la petite touche qui venait ponctuer cette nature morte de bijoux gourmands. Donc là, on a le rouge. Et en fait, là, j'ai croisé les bracelets parce que ça donne un effet graphique. Là, vous avez les deux petites lignes de boucles d'oreilles. Voilà, qui ferme l'image à gauche. Et là, j'ai mis ça qui rappelle les groseilles. Un petit sautoir avec des petites perles qui rappellent les boules rouges des groseilles. Et le petit bracelet avec les bouches pour vraiment soutenir, rappeler le côté gourmand. Voilà, donc là, on tire la ligne. Idéalement, il faudrait la scotcher pour qu'elle tienne bien. Voilà. Donc là, on a une composition de bijoux dorés et de gourmands. Je pense qu'on peut peut-être faire la photo. Voilà. Donc là, la photo est terminée. Ressort très bien sur le fond bleu, donc le fond qui était turquoise à la base finalement a un bleu un petit peu plus froid, ce qui est assez beau. Donc là on a vraiment une nature morte. Voilà, donc là on a une photo carrée, donc c'est vraiment la composition, le carré, c'est toujours idéal pour la nature morte, surtout pour ce genre de photo. On passe à la partie questions-réponses. Voilà, donc maintenant, je suis prête à lire vos questions. Faire ces fruits en pâte polymère pour pouvoir les utiliser. Bonne idée. Oui, vous pouvez. Alors, Ariane, l'idée de faire ces fruits en pâte polymère, oui, bien sûr, vous pouvez fabriquer vos fruits comme vous voulez, en pâte polymère, en pâte fimo, donc ça peut être aussi des faux fruits, mais c'est vrai que moi j'aime bien travailler avec des vrais produits. Alors, comment se faire connaître dans ce métier? Alors, je vais répondre à cette question. Donc, comment se faire connaître dans ce métier? Il faut travailler. Donc, il faut commencer peut-être par, en fonction de ce que vous voulez faire, si vous voulez vous orienter plus vers la presse ou plus vers la publicité, il faut travailler, ne pas hésiter à faire des stages, à travailler avec des professionnels. Voilà, donc apprendre sur le terrain et faire aussi une école. Donc chez MJM, on propose aussi des cours de stylisme photo. Alors, une autre question, je n'ai pas de connaissances en graphisme ni photo. Qu'est-ce qu'une nature morte? Une nature morte, comme les deux mots l'indiquent, c'est une nature morte, donc sans vivant. Donc vous n'avez pas de personnage. Donc la nature morte, c'est une composition d'objets sans vie. Donc ça peut être aussi bien une nature morte de bijoux, d'accessoires déco. Donc voilà, c'est tout ce qui concerne les objets et tout ce qui concerne aussi le fooding. Alors quel parcours avez-vous fait
avez-vous eu afin de devenir styliste photo? Ben ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, moi, j'ai commencé à travailler pour la presse et la publicité. Alors, ça, c'est très important, la question. Comment vous trouvez l'inspiration pour vos compositions? Est-ce que vous regardez le travail d'autres photographes? Et est-ce que vous faites des croquis avant? Alors ça, c'est très important. L'inspiration, c'est vraiment la clé de ce métier. Donc, en fait, toute nourriture est bonne à prendre. Quand je parle de nourriture, je parle évidemment de nourriture culturelle. Donc, ne pas hésiter à sortir, à aller voir des expositions, à lire la presse, à voir ce qui se fait en photo, dans tout ce qui est tendance photographique. Ne pas hésiter à aller voir les boutiques. Donc, en fait, tout vous nourrit. Donc, voilà. Et surtout, oui, regardez ce que font les autres photographes. Est-ce que vous faites des croquis avant? Oui, ça arrive que l'on fasse des croquis avant. Surtout s'il s'agit de décors assez conséquents, bien sûr, on fait des croquis. Quel cours pour faire ce type d'activité de shooting? Quel cours? Ben là, ça, là aussi, c'est un cours, c'est des cours de stylisme photo. Donc ici, chez MGM, vous pouvez prendre des cours de stylisme photo. Et c'est aussi en pratiquant qu'on apprend. Moi, c'est comme ça aussi que j'ai appris. Plus j'ai pratiqué, plus j'ai appris. Les procédés sont-ils les mêmes en styliste photo culinaire? Oui, la photo culinaire, c'est aussi de la composition. Après, là, c'est la différence, c'est que vous devez bien maîtriser le produit culinaire, c'est-à-dire tout ce qui est faire en sorte que ce soit le plus appétissant possible. Donc là, vous avez aussi des techniques parce que la photo culinaire, c'est vraiment une spécialité à part entière. Alors, avec quel type d'appareil prenez-vous vos photos? Moi, je ne suis que styliste photo, donc je ne suis pas photographe. Voilà, malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question. Vous faites appel à des photographes? Oui, voilà. De toute façon, ce travail-là de styliste photo, vous le ferez toujours avec un photographe en binôme. Alors, est-ce que les accessoires meubles que vous achetez pour le shoot sont pris en charge par la marque, le magazine, ou avez-vous un budget? Non. Les magazines n'achètent rien. Tout vous est prêté pour les photos. Donc ça, c'est vraiment le travail des attachés de presse de toutes les marques. C'est un échange. C'est comme quand vous ouvrez un magazine de mode. Vous avez les marques qui sont créditées. Donc, tout ce qui est... C'est pareil en décoration. Donc, vous créditez les marques et tout est prêté. Et vous devez bien sûr les rendre après. On n'achète rien. Après, vous pouvez acheter si vous travaillez en publicité. Là, vous pouvez avoir un budget. Oui, bien sûr. Utilisez-vous les réseaux sociaux pour promouvoir également votre travail? Est-ce que ça prend une place importante aujourd'hui dans le métier? Bien sûr, oui. Les réseaux sociaux sont là pour diffuser votre travail et vous faire connaître. Avez-vous des idées de décoration abordables pour des shootings photos? Oui, j'ai des idées de décoration abordables parce que la décoration n'est pas toujours coûteuse. Voilà, on peut faire des choses très belles à moindre coût. Doit-on citer tous les magazines ou artistes chez qui on fait le shooting? Non, ça, vous n'êtes pas obligé, ça, c'est à vous de voir, hein, c'est à vous de poser la question. Peut-être que vous voulez dire, est-ce qu'il faut citer les artistes peut-être qui apparaissent sur les shootings? Ça, c'est à vous de voir avec la personne chez qui vous faites les photos. Lorsque vous faites des shootings en extérieur pour des présentations alimentaires, utilisez-vous un éclairage artificiel comme des lampes ou seulement la lumière du jour? Alors, tout ce qui est éclairage en extérieur, c'est vraiment la lumière du jour. Vive la lumière du jour. Il n'y a pas plus beau que la lumière du jour. Donc, évidemment, vous êtes tributaire de la météo. Et puis aussi des horaires parce que la lumière change très vite. Avez-vous des conseils concernant la recherche et l'achat d'art, photographe, mannequin? Comment trouver un photographe? Oui, l'achat d'art, c'est vraiment un métier à part entière. Donc en fait, moi je travaille avec des photographes avec qui j'ai des affinités. Il y a vraiment une affinité de travail. Donc, et puis c'est à vous aussi de vous documenter, de lire la presse pour regarder ce que font les photographes. Ou d'aller sur leur site. Est-ce que c'est vous qui faites le choix des lumières? Pas exactement. Ça, c'est quelque chose qu'on fait avec le photographe, mais c'est plus la partie du photographe.
Pouvons-nous vous suivre sur les réseaux sociaux? Oui, je suis sur Instagram avec mon nom et mon prénom, et sur Facebook également. Comment peut-on rentrer en contact avec une agence presse et à partir de quand faut-il avoir un statut particulier? Donc, quand vous parlez d'agence de presse, vous parlez des attachés de presse. Oui, vous pouvez rentrer avec tous les services de presse, il n'y a aucun problème. À partir du moment où vous travaillez, les attachés de presse sont là pour vous renseigner et s'occuper de vous. Je veux dire lors du shopping, comme la costumière que vous citiez dans un exemple. Oui, les attachés de presse, elles sont à votre disposition. À partir du moment où vous avez des photos à organiser, elles sont là vraiment pour répondre à votre besoin et vous prêter tout ce dont vous avez besoin. Évidemment, tout doit être crédité dans le magazine, c'est-à-dire cité. C'est vous qui créez tous les décors, peinture, papier peint, c'est donc un métier très polyvalent. Alors, moi, ça m'arrive, oui, de créer des décors, de poser du papier peint ou de peindre. Après, si c'est des choses plus compliquées, là, on peut faire appel à des décorateurs plus chevronnés, si c'est des décors un peu plus sophistiqués, oui. Quels sont les cadrages photos les plus adaptés suivant les types de photos, quand vous disiez le carré pour les natures mortes, par exemple? Bah c'est vrai qu'on travaille souvent en cadrage, carré ou horizontal et quelquefois les verticales. Voilà, c'est selon ce que vous avez à photographier. Si c'est un lieu, évidemment, dans les vrais lieux, l'horizontalité et la verticalité sont plus adaptées et le carré pour la nature morte. Quel est le programme chez MJM en choisissant cette spécialité de styliste photo? Ben en fait, vous pouvez aller sur leur site internet. Vous pouvez aller voir sur leur site internet. Quelle est la durée moyenne d'un de vos shootings? Alors là, c'est très variable, hein, il n'y a pas de règle. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la photo, c'est un vrai métier. Donc ce n'est pas clic-clac Kodak. Donc voilà, ça prend du temps. Durée moyenne, ça dépend. Ça, je ne peux pas vraiment répondre. Ça dépend de... En général, c'est jamais moins d'une journée. Comment se déroule un projet? Brief de thème, puis vous arrivez avec votre idée. Comment calcule-t-on le prix de la prestation par forfait, par heure? Comment se déroule un projet? Se déroule un projet, eh bien, ça dépend qui vous le commande. Donc oui, si on vous commande un projet, vous avez forcément un brief. Vous pouvez aussi proposer votre propre idée. Et par rapport au prix de la prestation, ça dépend pour qui vous travaillez. La presse a ses tarifs, la publicité a ses tarifs. Voilà. Par forfait, par heure, là, ça dépend. En général, c'est à la journée. Les photos sont-elles souvent retouchées? Ça arrive qu'elles soient retouchées quand même, légèrement retouchées. En tout cas, pour les natures mortes, oui, elles peuvent être retouchées. Et pour les photos d'ambiance, oui, ça peut être retouché. Oui. Doit-on avoir juste bon goût où il y a toute une technique connaissance au niveau colorimétrie ou forme, par exemple? Oui, ça, c'est vraiment l'instinct. C'est aussi un métier intuitif. Hein. Donc, oui, c'est... Alors, je ne veux pas paraître pour une prétentieuse, mais oui, c'est mieux d'avoir bon goût. Je ne sais pas si j'ai du bon goût, mais il faut arriver, oui, savoir composer, en tout cas. Et il ne faut pas forcément de connaissances en colorimétrie, ça c'est plus la partie des photographes. Est-ce que je peux faire du styliste photo en ayant une formation de visual merchandising et e-merchandising? Oui, parce que quand vous faites du e-merchandising, vous composez. Donc vous mettez en valeur des produits dans un espace de vente. Donc oui, vous pouvez faire du stylisme photo. Pour la présentation de la durée, par exemple, combien de temps avez-vous utilisé pour le choix des formes, des couleurs, la disposition? Donc là, en fait, il y avait une journée de shooting et on peut dire une journée de préparation. Donc c'était les dernières questions. Je vous remercie de m'avoir écouté avec toute cette attention. Merci. Ah, excusez-moi, j'ai une dernière question.
Est-il plus intéressant d'utiliser les couleurs complémentaires pour la composition? Non, voilà, c'est tout est, vous pouvez tout utiliser, voilà, il n'y a pas du tout de contrainte de couleur. C'est un exercice libre par rapport aux couleurs. Voilà, merci beaucoup, ce fut très instructif. Bah, merci beaucoup à vous. Merci de m'avoir écouté. Hello, hello. Moi, c'est Nesrine, je sais pas, enfin, je pense qu'il y en a certains qui me connaissent déjà. Je suis donc en charge de l'animation de l'école AMJM et notamment des réseaux sociaux. Donc, on vous retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous, une autre masterclass, une autre thématique. Donc, je vous dis à la semaine prochaine.